Bonjour. Qu'est-ce que l'art thérapie? Nous verrons de la manière générale de voir la profession d'art thérapie en France. L'art thérapie se pratique selon deux grandes écoles, l'art thérapie dite traditionnelle et l'art thérapie moderne. L'art thérapie traditionnelle utilise l'art pour avoir accès au fonctionnement psychique du patient. L'art devient un outil et l'action du thérapeute va aller sur le fonctionnement psychique du patient. L'art thérapie moderne utilise les effets et les pouvoirs de l'art auprès des patients. L'art devient un processeur. Le pouvoir éducatif, l'effet relationnel, le pouvoir d'entraînement. Le pouvoir éducatif. Face à une œuvre, les capteurs sensoriels sont en éveil. Ceux-ci sont éduqués pour cette pratique artistique. Le pouvoir d'entraînement. Face à la réalisation d'une œuvre, le corps se trouve dans un élan de vie. L'énergie apporte envie, pulsion, désir, émotion. L'effet relationnel de l'art, la pratique d'un art nous permet de vibrer ensemble, c'est la sympathie, puis d'être en empathie avec le patient. C'est le fait de vivre ensemble l'émotion esthétique qui fait du bien. L'art-thérapie traditionnelle porte son action sur ce qui ne va pas chez le patient. L'art est un outil pour le psychologue, le psychanalyste ou le psychothérapeute. L'art-thérapie moderne exploite la partie saine, ce qui va bien chez le patient. C'est le vivant fortifié qui est mis en valeur dans la production artistique, qui fait que la personne se prend en main pour aller mieux. L'art-thérapie ne guérit pas les maladies. Il permet l'acceptation puis l'accueil des difficultés de la vie pour aller mieux. Il y a toujours un avant et un après l'art-thérapie. La personne dépasse son handicap, ses souffrances, ses douleurs pour s'inscrire dans le bonheur et le plaisir de vivre. Le patient devient autonome et sujet de ce qu'il éprouve au quotidien. Je m'appelle Catherine Perret, je suis art-thérapeute, diplômée de la faculté de médecine depuis 2008. Je pratique l'art-thérapie moderne et je suis formatrice en art-thérapie. Je travaille à L'Athlète en Saône-et-Loire.